Maintenant, on va passer à la partie analytique et ce qu'on avait fait sur une forme normale en quelque sorte, c'est-à-dire des rectangles ou des trapèzes, voire plus, mais de base le segment 0,1. Maintenant, on va pouvoir passer à des bases différentes. Donc, il faut dénormaliser, en quelque sorte. C'est-à-dire, au lieu de regarder sur 0,1, on regarde sur AB. Mais ça, bon, c'est assez facile. Il suffit de faire un petit changement de variable. Et quand on regarde une fonction f sur AB, on peut regarder la fonction qui a t donne f de b moins a t a. Et on obtient une fonction sur 0,1, hein, ici, voilà, qui va avoir le même comportement que f. Alors maintenant, au niveau de l'intégrale, eh ben, on se rend compte que si j'appelle g cette fonction de t, ici, et u cette variable, quand je vais écrire l'intégrale de a à b de f de u du, ben, il faut que je divise par b moins a, ici, bon, c'est l'idée intuitive de l'intégrale comme une moyenne, pour tomber sur l'intégrale de 0 à 1 de g de t dt. Hein. Vous faites juste u, vous posez u égale b moins 1 t plus a ici, et vous vous convainquez que cette égalité, elle est valable. Bien. Donc en gros, la dénormalisation se passe sans encombre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ça veut dire que, bon, bah, ça veut dire en gros, hein, que par rapport à ce que je faisais au départ, il va falloir déjà que je dénormalise les xi. Bon, ça ne va pas être difficile, d'autant plus que les xi, c'était par exemple 0, 1/2, 1. Donc quand c'est 0, 1/2, 1, eh bien pour une fonction sur AB, ça va devenir A, C égale A plus B sur 2, et B, hein, tout simplement. Donc ça, c'est rien du tout. Et puis, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben oui, c'est remplacer l'intégrale qu'on avait par une moyenne, hein, de l'intégrale. Alors, ça veut dire maintenant que l'erreur que je vais chercher sur une forme élémentaire, alors je vais appeler C le milieu de A et B, d'accord? A plus B sur 2, X, ben, la demi-longueur, donc ça va être a plus b sur 2, et je vais regarder comme fonction de x l'intégrale de c moins x à c plus x de f de t dt moins 2x f de c. Alors si on réfléchit bien, ça représente quoi? C'est l'erreur qu'on fait sur l'intégrale quand on va faire ici la méthode du point milieu. Hein? Effectivement, bon, ça c'est notre brave intégrale sur AB. Et ensuite, on enlève ben, f de c, donc ça c'est le milieu, mais cette fois-ci il faut multiplier par cette longueur qui est égale à 2x. Voilà. Donc je regarde cette fonction et c'est cette fonction que je veux majorer. Ensuite, j'ajouterai tous mes n petits rectangles, n petits trapèzes ou n petits machins de Simpson pour avoir une approximation de l'intégrale. Bon, alors faisons-le pour le point milieu. Donc, dans un premier temps, je le fais sur un objet élémentaire. Hein. Je vais supposer que f est c 2, c 3, c 4, autant que je veux en fonction de ce qui va m'arranger dans mon histoire. Alors, delta prime m, ça va être ici. Bon, quand je vais dériver, ici, je vais avoir f de c plus x. Bon, là, on n'a besoin que de la continuité. Plus, attention, parce qu'il y a moins et fois moins, donc plus f de c moins x et moins 2 f de c. Voilà. Donc on remarquera au passage que delta prime en 0, ça vaut 0. Bon, c'est évident. Maintenant, delta seconde, bah, f prime, moins cette fois-ci f prime de c moins x, et on remarque, bon, là, ça fait 0, et delta seconde de 0, ça fait 0. Bon, alors maintenant, ça y est, ici je peux avoir une inégalité si j'applique le théorème des accroissements finis à f', donc je suppose que f est c2, voilà, c'est bien. Et donc je vais avoir delta seconde de x qui va être compris entre un min de f seconde sur l'intervalle et un max
de l'intervalle de f secondes sur l'intervalle, avec multiplié par la longueur de l'intervalle, 2x. Donc là, j'ai appliqué une inégalité des accroissements finis, ici. Et maintenant, j'intègre l'inégalité. Et en utilisant le fait que delta prime, ici, est égal à 0, je vais avoir ici delta prime m de x qui va être compris entre m2, x2 et grand m2, x2 ici. J'intègre encore une fois en utilisant le fait que delta de 0 est égal à 0 et je vais avoir du petit m2 x3 sur 3 et du grand m2 x3 sur 3 qui va encadrer delta de m. Hein. Alors, en fait, c'était delta de m moins delta de 0 parce que j'ai intégré, mais delta de 0 était égal à 0. Donc, ça me fait un delta m de x en valeur absolue qui va être inférieur à alpha 2 x3 sur 3, ou bon, alpha 2, ça va être le max en valeur absolue de m2, de petit m2 et de grand m2. Voilà. Maintenant, je vais regarder sur des intervalles petits, ou donc de taille b-1 sur n, où x est égal, donc comme c'est la moitié de l'intervalle, c'est b-1 sur 2n. Et là, je pose x égale b-1 sur 2n. Je vais avoir b-1 au cube sur 2 au cube, ça fait 8, 8 fois 3, 24, n au cube, mais je vais en ajouter n comme ça, parce que je vais prendre alpha 2, le max sur tout l'intervalle, donc ce sera toujours le même alpha 2 pour tous les petits intervalles, et donc je vais avoir ici que ma majoration est donnée par alpha 2, donc ça va être l'erreur que je fais en appliquant la méthode du point milieu, et je vais avoir alpha 2, b-1 cube sur 24, hein, on a expliqué à cause du 2 au cube, fois 3, et n2, parce que c'était un n cube, mais ajouté n fois. Voilà, donc, si on avait pris la méthode des trapèzes, on aurait trouvé delta prime t est égal à moins x facteur de f prime de c plus x moins f prime de c moins x, ici. Voilà, encore une fois, x égale 0, ça fait 0. Et donc ça fait du moins 2x2 f seconde d'un certain état 2 par le théorème des accroissements finis appliqué à f prime, qu'on va supposer toujours de classe C2 là. Et là, cette fois-ci, ça y est, on n'a pas besoin de dériver deux fois, on dérive qu'une seule fois. Et quand on va intégrer, en utilisant le fait que delta de t de 0, ça fait 0, eh bien on va avoir cette fois-ci, au signe près, du 2 tiers de x3, alors que ici, on arrivait pour delta m à 1 tiers de x3. Donc ce qui va nous faire, à la fin, avec le même calcul, notre erreur est inférieure ou égale à alpha 2, le même alpha 2, ici, parce que c'est lié à f seconde, de b-a au cube, pareil, parce qu'on va avoir, quand on va intégrer, on va avoir du x au cube, sur n2, toujours pareil, mais là, ça va être 12 à cause du 2 qui est ici. Alors là, c'est quand même quelque chose d'intéressant et qu'on va essayer débriefer ensemble. Alors donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir, un peu comme dans la fable de La Fontaine, que rien ne sert de courir. Là, rien ne sert d'avoir des polynômes de haut degré, il faut bien choisir les xi. Voilà, on a n égale 0, pourtant, vous voyez, degré 0, on était quand même mal parti, mais on a choisi x0 égale 1 demi, et on a fait une meilleure approximation qu'avec un polynôme de degré 1, avec des nombres choisis sans aucune inspiration, hein, 0 et 1, la méthode du trapèze. Donc la méthode du point milieu est meilleure que la méthode du trapèze ici. Et on peut le voir un petit peu sans convaincre géométriquement. Regardez, voilà la méthode du trapèze. On prend donc on est en 0, 1, on a le point ici en 0 et en 1. Bon, on a une différence ici. Maintenant, regardez la méthode du point milieu. Donc, on est en train de regarder cette surface-là, d'accord, avec le point milieu. Mais cette surface-là est égale, étant donné qu'on a pris le point milieu, quand je vais prendre n'importe quel oblique ici, qui passe par ce point-là, je vais avoir la même surface en positif et la surface en négatif ici. Donc, finalement, l'aire ici de ce rectangle est égal à l'aire
de ce trapèze. Maintenant, quand j'ai une fonction f de t entre 0 et 1, eh bien, je vais pouvoir prendre pour cette oblique la tangente. Je prends une fonction c1, on va dire. Je vais pouvoir prendre la tangente en le point d'abscisse 1/2, ici, et tracer cette tangente. Donc, ce qui fait que l'erreur que j'avais ici, c'est la même erreur que j'ai ici avec ce trapèze. J'ai remplacé un rectangle par un trapèze de même aire. Et ici, je vois quand même que l'erreur est moindre que là. En fait, elle est deux fois moindre en quelque sorte. Voilà donc quelque chose d'intéressant et qui va nous amener à la notion de quadrature de Gauss et de polynôme de orthogonaux, polynôme de Legendre. En attendant, on va en finir avec l'erreur faite sur la méthode de Simpson, parce que bon, tant qu'on y est, on a dit que delta S de X, ben, ça va être, donc ça va être notre erreur élémentaire, intégrale de C moins X à C plus X de F de T dt, maintenant moins, alors j'ai réarrangé un petit peu cette partie-là en mettant 6 en facteur, donc ici j'ai 1, 4, 1, voilà. Et maintenant, bon, ben, vous pouvez me faire confiance, quand on dérive trois fois cette fonction-là, on va supposer f de classe C4, hein, ça, vous allez voir pourquoi, eh bien, on va tomber sur moins x sur 3, f dérivée tierce de sur c plus x, moins f dérivée tierce, c moins x. Voilà. Bon. Là, ici, comme f est de classe C4, eh bien, on va pouvoir appliquer le théorème des accroissements finis et dire que c'est égal à moins... Ben, on va multiplier par 2x, qui est la longueur de l'intervalle, donc moins 2x fois x, donc moins 2x2 sur 3, et f dérivé 4 fois d'un certain état 4 qui est compris entre les deux. Voilà, alors comme tout à l'heure, ça va nous faire, on va pouvoir intégrer un certain nombre de fois. Alors, il faut intégrer 3 fois pour tomber sur delta sx. À chaque fois, on a la chance d'avoir que les dérivées successives en 0 s'annulent. Bon, vous pouvez le vérifier aussi. Alors, quand on va intégrer une première fois, on va avoir du 2x3 sur 9. Ensuite, on va avoir du x4 sur 18. Et une troisième fois, on va avoir du x5 sur 90. Voilà. Hein, et puis avec le alpha 4, comme tout à l'heure. Voilà. Ensuite, je remplace x par b-a sur 2n, et j'ajoute ça n fois, et je vais avoir, à cause du 2 puissance 5, qui fait 32, 32 fois 90, ça va faire 2880, et on va obtenir, globalement, quand on fait la méthode de Simpson, cette erreur, une majoration de cette erreur, où alpha 4, c'est le max sur AB de la dérivée quatrième de f. Voilà, voilà. Et maintenant, comme épilogue, on peut se dire que de la même manière que n égale 0 a été meilleur que n égale 1 avec des chakras bien choisis, eh bien, est-ce que n égale 1 peut être meilleur que n égale 2, c'est-à-dire ça, pour des chakras bien choisis. Eh bien, ça, c'est une bande-annonce, hein, on va pas... Mais bon, ça s'est aussi fait dans Carnet de voyage en analyse temps. On a les polynômes de Legendre, qui sont des polynômes orthogonaux, dans la méthode de quadrature de Gauss. Et on va avoir le deuxième polynôme de Legendre, alors je normalise sur 0, 1, parce qu'on voit souvent les polynômes de Legendre sur moins 1, 1, bon, là, je le normalise sur 0, 1, donc ça va faire x2 moins x plus 1 sixième. Et je vais regarder les racines de ce polynôme-là. Il se trouve que c'est 1 demi moins racine de 1 tiers sur 2, 1 demi plus racine de 1 tiers sur 2. Donc, qui se situe entre 0 et 1, là, ici. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, que il faut faire une méthode des trapèzes pour c'est ce que préconise Gauss, c'est Gauss-Legendre, on va dire, c'est de faire une méthode des trapèzes avec ces deux points-là, au lieu de prendre 0 et 1,
prendre comme abscisse ces deux points. Donc on a notre courbe, là, F, comme ça, voilà la courbe F de T, entre 0 et 1. Je regarde l'image par F de x0, ici de x1, je trace une droite, j'ai un trapèze, et là, je vais avoir une meilleure approximation pour ces nombres-là. Voilà, hein. Et en fait, quand on fait le calcul, on va tomber sur EL, l'erreur que l'on fait, va être inférieure à alpha 4, le même alpha 4 qu'ici, B moins A puissance 5 ici, mais ici on a 4320 N4. Donc moralité, on a une bien meilleure précision avec un trapèze qu'avec un truc à bord parabolique, quoi, hein. Donc là vraiment c'est comme les petites équipes de foot qui gagnent les grandes équipes de foot en se plaçant bien. Voilà, c'est beau et puis on va s'arrêter là.